Xavier a donc fait gagner la voiture. Est-ce que ça va ce soir? Oui. J'ai une grande annonce à vous faire. Sachez que tous ici, vous allez peut-être, mais ce n'est pas sûr, vivre quelque chose d'unique ce soir. Tous dans le public. Il va peut-être se passer quelque chose de fou pour vous, je vous le dis tout de suite. Donc restez là, restez jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y en a qui avaient l'intention de partir? Non. Il y a quand même une meuf qui a fait « si, si, moi je voulais me barrer ». En fait, moi je suis arrivé ici, je devais voir Motus, j'ai vu des gars, je comprends pas ce que je fais là. Allez, pour le moment, j'aimerais savoir s'il y a une jeune fille qui s'appelle Laura dans le public. Laura, Laura, il y a quand même un mec qui a levé la main. Hein. Autant vous dire qu'on a un public quand même bien comme il faut. Est-ce qu'il y a une Laura qui est venue avec sa maman, Sarah? Laura, 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 Laura? Laura, viens me rejoindre, Laura. Ça va, Laura? Bonsoir, Laura. Merci d'être là, Laura. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour Laura, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Pas mal, la chevelure. Hein? Bien, bien. Passera me voir au salon quand même, toi, hein? Comment ça va, Laura? Bah, ça va. Alors, vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans, vous êtes en quelle classe? En seconde. Seconde, ça va, ça se passe bien? Oui. Tranquille? Vous habitez où? À Pontarcy. À Pontarcy? C'est à côté de Soissons. J'ai rien demandé. Je connaissais très bien Pontarcy. Alors, vous allez faire quoi plus tard? Coiffeuse. Coiffeuse? Bah, c'est bien parti. Non, aucun truc. Franchement. Franchement, c'est très bien, bas. Laura, vous avez un petit fiancé? Oui. Il s'appelle comment? Michael. Michael, ça fait combien de temps que t'es avec lui? 2 semaines. 2 semaines? Ah ouais! Ah, c'est récent, là, c'est le gars! Il est beau? Oui. Il est aussi capillairement, il est dans le même délire? Non. Il est pas du tout dans le même délire? Non. Il est comment? Bah, normal. D'accord, ça va lui faire plaisir. Il est comment? Bah, normal. Ça fait 2 semaines? Je sens qu'il y a un crush. Non? Elle aime bien. Hein? Oui. T'en as rien à foutre, merci. Laura, je suis très content d'ailleurs que tu sois là ce soir. Et tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec ta maman, Sarah. Oui. Elle est là, Sarah? Oui. Ça va, Sarah? Non, je n'ai rien demandé, merci. Je veux juste savoir si vous étiez là. Venez me rejoindre, Sarah, applaudissements pour ça. Vous sentez très bon. Merci. Non, ça me change. Ça me change de mes collègues. Merci. Comment? Vous êtes venues que toutes les deux? Non, avec ma sœur Layla. Salut Layla. Merci. Layla, en fait, elle fait que des coucous. Hein. Layla, vous pouvez la voir dans toutes les émissions. Elle fait coucou partout, chez Jean-Luc Reichmann, ici, partout. Voilà. Merci d'être là. Alors, si vous êtes venue, c'est vous, Sarah, qui êtes venue vers nous. Oui. Voilà. Avec Laura. Et Laura n'est au courant de rien. Je vais vous demander de vous asseoir toutes les deux. Allez-y, asseyez-vous. Asseyez-vous, les chiens. Tenez, je vous laisse le micro. Sarah, on a beaucoup rigolé depuis le début de cette émission. Là, c'est un moment un peu plus intime. Dans C'est pour nous, c'est cadeau. Et Sarah, vous nous avez envoyé une vidéo, vous nous avez écrit pourquoi. En fait, racontez-nous un peu votre histoire. Bah, j'ai eu ma fille, j'étais très jeune. Bah, vous êtes encore très jeune. Hein. Toujours. Ouais, c'est vrai. Et donc, elle n'a pas connu son papa. Et donc, elle voulait, très récemment, elle m'a fait la demande de le retrouver. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers vous. Bah, Sarah, donc, vous nous avez contacté avec la production parce que Laura, elle a donc 16 ans et elle n'a jamais vu son papa. Jamais. Vous avez déjà essayé de rentrer en contact avec lui ou pas du tout, Sarah, avec le micro? Bah, j'ai fait quelques recherches, mais je ne l'ai pas trouvé, donc... D'accord, il est plus du tout de nouvelles. Plus du tout. Et
Laura, ça fait combien de temps que tu demandes à ta mère de revoir ton papa? Ça fait longtemps ou pas? Trois ans. Trois ans. Donc, je sais que ta maman a tout fait. Et elle nous a contactés dans C'est pour nous, c'est cadeau. Et on a fait des recherches. Est-ce que Sarah, vous reconnaissez cette personne? Oui. Bien sûr, donc c'est votre papa. C'est votre ex, donc le papa de Laura. Donc, eh ben c'est Laura, bien entendu. Et on n'avait que ça donc, pour retrouver votre papa. Et on a une équipe qui est assez forte. On a retrouvé votre papa qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane, il est là ce soir. Merci. Merci d'être là. Merci. Stéphane, merci d'être là. Alors merci. Merci beaucoup. Sarah, là, vous êtes très heureuse. Hein. Ouais. Je suis contente pour ma fille. Et... son rêve se réalise enfin. Alors je voudrais remercier Stéphane d'avoir répondu à notre appel. On a mis Laura. Parce que la chanson de Johnny Hallyday, parce que Stéphane nous dit qu'il ne pouvait pas l'écouter sans pleurer, sans penser à sa fille Laura. En tout cas, Sarah, je voudrais dire que c'est magnifique ce que vous avez fait, puisque aujourd'hui Laura et son papa se sont retrouvés. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi vous n'êtes plus vu après la naissance de Laura? À partir de quel âge? Moi, j'étais très jeune. J'ai déménagé. J'habitais Saint-Quentin à l'époque où j'ai eu ma fille et je suis partie dans le coin où j'ai grandi. Et du coup, vous n'avez plus revu Stéphane. Voilà, j'ai refait ma vie. Et écoutez, nous, en tout cas, ça nous fait plaisir. Je crois que Laura est très, très émue, son papa aussi. Hein. Et c'est pour nous, c'est cadeau aussi. Ça, merci Stéphane. Stéphane, sans en faire trop, déjà, je vous le redis, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, merci d'avoir répondu à notre appel. Ça vous a étonné quand on vous a appelé, quand vous étiez heureux, je crois. Hein, vous aviez vraiment envie de revoir Laura. Ouais, j'ai fait des recherches sur Facebook et tout ça. J'attendais que celle qui fasse le premier pas. Et puis, voilà, c'est tout. C'est bonheur, c'est cadeau, c'est bon. Vraiment, je suis hyper heureux pour vous. Vraiment. Vraiment. Merci Stéphane. Je suis vraiment heureux pour vous. Laura, ma chérie, je te fais un gros bisou. Merci. Alors, je vous offre un truc. J'aimerais que vous alliez dîner, tous les deux. Donc, je vous offre un dîner gastronomique pour vous retrouver. Après, on reste ensemble. Et voilà. Et je voudrais qu'on remercie très fort aussi Sarah, parce que c'est grâce à elle que vous vous retrouvez aujourd'hui. Maman, elle était formidable. Merci, ma chérie. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Ah. Ça fait plaisir aussi, là, les deux, là. Hein. Ça va? Vous voulez dire quelque oui. chose? Oui. Si tu peux faire dites-moi. Un bonjour à Nicolas en direct. Bonjour à Nicolas en direct. Oui. C'est pas Nicolas Sarkozy parce qu'il est en débat, là. Non, non. Je fais un bonjour à Nicolas et des moments comme ça, on les aime dans C'est pour nous, c'est cadeau. Laura, Stéphane, on vous laisse vous retrouver. Merci également
à Clara. Et on prendra de vos nouvelles. Je vous fais un énorme bisou. Merci les chéris. Merci, merci Stéphane. Merci d'avoir été là. Merci, ça t'a fait plaisir. Merci les chéris. On est dans C'est pour nous, c'est cadeau. Vous le savez, il y a du rire, il y a de l'émotion, il y a du direct. On est ensemble pendant 35 heures, hein, vous le savez. Et on vient d'ailleurs de faire une heure de plus. Donc on est à 8 heures de direct, les chéris, non-stop. Il y a donc 8000 euros pour l'association. C'est que du bonheur. On va continuer notre émission. Hey, ils m'ont fait chialer, les cons. Quoi ? Oui, vous aussi, mais bon, on vous voit moins. Allez, les chéris, on va continuer et on va passer complètement à autre chose. J'espère que vous passez une bonne soirée avec nous. Est-ce qu'il y a... Merci. 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 Je remarque que les seuls qui ont dit ouais, c'est ceux qui ont gagné la voiture. Merci. Est-ce qu'il y a une Marine et une Alexane dans le public ? Une Marine et une Alexane dans le public ? Eh bien, vous êtes à côté. Venez nous voir. Ah oui, apparemment, il y en a... Oui, venez nous voir. Venez nous voir. J'aime bien. Bon délire. On n'a pas un deuxième micro, il n'y a qu'un micro en fait dans l'émission. On peut pas aller en emprunter un autre, hein, sur une autre production ou un truc comme ça. Merci. Merci, merci. Très bon délire. Merci. Marine, c'est qui ? C'est moi. Alexane, c'est qui ? Forcément. Forcément. Marine, merci d'être là. Vous avez 28 ans ? Oui, c'est ça. Vous habitez à Paris ? Oui. Allez-y. Oui. Merci. Et vous travaillez encore pour Claude François ? J'en étais sûre que t'allais faire cette blague. Non, mais c'est très sympa. Merci. Non, mais franchement, vous ouvrez un cabinet de voyance ? Aussi, oui, je peux. J'aime beaucoup. Vous faites quoi dans la vie, Marine ? Je suis à la recherche d'un emploi. D'accord, dans quoi ? Dans le visuel merchandising. Ceux qui font les vitrines des grands magasins, agencement intérieur, voilà. Vous avez compris, si ça vous intéresse, vous tweetez, voilà, tout simplement. Et Alexane, c'est qui pour vous ? C'est ma meilleure amie. C'est vrai, c'est comme Laurie, quoi. C'est plus que ma meilleure amie, c'est comme ma sœur. Dites-moi si je me trompe, Alexane. Oui. Vous avez un petit peu coupé le cheveu. Oui. Vous aviez le cheveu plus long. Voilà. Je sens les filages. Je le sens. Faites quoi dans la vie, vous, Alexane ? Étudiante en master de psychologie. J'adore la psychologie. Je suis abonné à Psychologie Magazine. Mais je n'aime pas le dire. Les chéris, ça fait 10 ans que vous connaissez. Il paraît que vous êtes hyper copines. Vous n'avez jamais eu de problème toutes les deux ? Si, mais c'est arrivé à chaque fois. Quoi, avec des mecs ? Oui. Ah, il y a déjà eu des histoires de mecs entre vous ? Oui. Quoi, il y en a déjà une qui est sortie avec le mec de l'autre ? Non. Il y en a déjà une qui a essayé de sortir avec le mec de l'autre, mais qui n'a pas réussi ? Non. Est-ce qu'il y en a déjà une qui est... À un moment, il va falloir me dire oui. Alors, c'est quoi les problèmes de mecs qu'il y a eu ? Oh, des bêtises. Des bêtises de jeunesse. Ouais, des bêtises de jeunesse, quoi. Vous avez des mecs ou pas ? Oui. Et toi ? Oui. Les deux, le même ? Non. D'accord, comment il s'appelle, toi ? Julien. Et toi ? Harry. Harry ? Il est dans le pain de mie ? Alors, Marine, elle est à la recherche d'un emploi. Alexane est étudiante. Et vous avez un rêve, c'est de partir en vacances ensemble. Oui, pour nos 10 ans. Pour vos 10 ans de... D'amitié. D'amitié. D'accord. Et vous aimeriez partir à Los Angeles ? Oui. Los Angeles, en Espagne, bien sûr. Los Angeles. Oui. Et vous, Alexane, vous avez une phobie. Il paraît que vous avez la phobie des pieds. Oui. Non, mais ça, dès que vous voyez des pieds, vous avez un problème. Non, il paraît que c'est très grave. Ah oui, oui. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se matérialise ?
Mais je pleure. Quoi, quand vous voyez les pieds, vous pleurez ? Elle crie. Je crie. Vous criez, vous pleurez ? Oui. Je vais vous demander de faire rentrer les 10 paires de yep. Voilà. Merci, installez-vous. Installez-vous. Je vais demander à tous ces garçons d'enlever leurs chaussures et leurs chaussettes. Alexandre, vous vous retournerez après. Ils vont tous enlever leurs chaussures et leurs chaussettes. Je vous le dis, vous allez pouvoir gagner un voyage aux États-Unis. C'est Alexandre qui va pouvoir faire gagner ce voyage. Alexandre, t'es pas du tout au courant pourquoi vous veniez. Non, pas du tout. Non, elle vous a dit quoi? Pour assister à l'émission. Pour assister à l'émission. Ouais. Vous non, connaissez... à votre émission. D'accord, très bien. Eh bien, je vous le dis, il y a donc 10 paires de pieds qui vont vous être proposées. Il y aura un drapeau des États-Unis sous un des pieds. Il va falloir décoller le drapeau des États-Unis. Décoller donc le drapeau des États-Unis sous les pieds. Vous aurez une minute pour trouver le drapeau sous le pied. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Avec les doigts ? Non, non. Bah oui. Vous croyez avec quoi ? Avec les dents ? Alors, c'est elle qui a proposé avec les dents. Au départ, pour moi, c'était avec les doigts. Vous êtes plus agile des dents ou des doigts ? Des doigts. Parce que Enora, par exemple, elle peut faire des trucs avec les dents. Elle a des dents, c'est des canapés, là. Hein. On peut s'asseoir sur ses dents, quoi. Eh bien, dans un instant, vous allez devoir trouver le drapeau des États-Unis et peut-être que vous partirez toutes les deux une semaine à Los Angeles. Je vais vous demander de vous asseoir. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Salut. Merci d'être avec nous, les chéris. On est en direct sur C8. Pour nous, c'est... Et nous sommes avec vous pendant 35 heures, hein, les chéris. Ça fait 8 heures et 19 minutes que je suis avec vous à l'antenne en direct. Et ça va continuer encore pendant cette nuit, demain aussi. Et jusqu'à demain, 2h du matin. Demain aussi, prime exceptionnel avec toute l'équipe de Touche pas mon poste. Et il y aura tous les interdits de Touche pas mon poste demain. Tout ce qu'on n'a jamais pu vous montrer. Déjà, ce qu'on vous montre, déjà, c'est chaud. Donc imaginez ce qu'on ne peut pas vous montrer. Ça veut dire que c'est une cata des catas. Pour le moment, nous sommes avec Marine et Alexane. Alexane et Marine, ça fait 10 ans qu'elles sont copines comme cochonne. Enfin, elles sont copains comme cochon. Mais c'est vrai que, voilà, en féminin, ça fait copine comme cochonne. Ça peut choquer, mais non. Alexane et Marine. Alexane, vous avez une phobie des pieds. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez des pieds ? Ben, je... Quoi ? Ne les regardez pas pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe ? Ça m'angoisse. Mais comment vous faites quand vous êtes avec votre mec ? Bah lui, ça va, ses pieds, je les tolère. Ça va, vous avez appréhendé ses pieds? Ah oui, mais je... Parlez bien fort, hein. Oui. Il marche le micro d'Alexandre? Merci. Mais... Ils me disent, on l'entend bien, merci beaucoup. Donc on vous entend, mais pas moi. D'accord. Donc les gens qui sont à des milliers de kilomètres vous entendent, mais moi je suis à un mètre, je ne vous entends pas, merci. Alors, donc Alexandre, non mais c'est vrai, quoi, vous avez vraiment... À la plage les et tout, ah non. Vous pouvez toucher les pieds? Non, que les miens. Quoi? Que les miens. Bon, heureusement que vous pouvez toucher vos pieds, oui. Meuf, elle croit qu'on est dans C'est mon choix ici. Je n'ai jamais touché mes pieds. Pas possible. Alexandre, vous allez pouvoir faire gagner un magnifique voyage à Los Angeles. Vous avez envie de partir à Los Angeles avec votre meilleure amie Marine pour une semaine. Vous allez avoir une minute pour trouver le drapeau américain qui se cache sous un des pieds. Il va falloir enlever ce drapeau, le retirer et me l'amener. Vous allez donc devoir toucher les pieds, les soulever, bien regarder sous les pieds. Faites gaffe, il y a des gens qui peuvent cacher des choses dans leurs pieds. Oui. Je vous le dis. D'accord ? Vous êtes prête ? Oui. On va partir de là. Vous devrez retirer le drapeau américain. Partez de là. Attention. On va partir pour une minute.
Ça va, ses pieds, comment, les premiers pieds, comment vous les appréhendez? Oh là là. Comment vous appelez? Yannick, oui. Vous chaussez du combien? 42. Vous avez fait une petite pédicure avant de venir? Non, du tout. Très bien. Et j'adore parce que Yannick, c'est le seul gars, mais il parle qu'en rappeur. Non, du tout, non. Attention. Alexane, est-ce que vous êtes prête? Oui. On joue pour le voyage à Los Angeles. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, mais trouvez-moi ce drapeau. D'accord, Alexane? Okay. Attention, top, c'est parti. Allez, Mamour, allez. Allez, Mamour. Allez. Ah non, je peux. Allez, vas-y. Non. Non, non, il faut, alors Alexandre, il faut bien toucher les pieds. Il faut vraiment toucher les pieds. Si, si, toucher les pieds, toucher les pieds. Il faut toucher les pieds, il faut les soulever. Il faut soulever les pieds. Vite, vite. Allez, Mamour. Ouais, oh. Alexandre, ça va? Hey, sans déconner, s'il vous plaît, merci. Alexandre, sans déconner, on dirait qu'elle vient de sortir d'une cellule de Fort Boyard avec des serpents. Non mais c'est un truc de fou, quoi, c'est bon? Je tremble, quoi. Je suis trop mal. Alors, vous allez faire le tour des pieds quand même, hein. Voilà. Quoi? Non, il y a des gars derrière, ils veulent absolument qu'elle leur touche les pieds. Alexandre et Marine, vous partez à Los Angeles, c'est gagné! Bravo. Bravo, monsieur. Bravo, mes chéris. Et merci aux garçons derrière. Merci à tous. Merci, les chers. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Et merci, Marine. J'aimerais, les chéris, rencontrer maintenant quelqu'un. Attendez, avant de voir quelqu'un, j'aimerais qu'on fasse une petite caverne, quand même. Vous rappelez de la caverne à Baba? Comment ça va? Alors, on est costaud? Un petit peu. Non, on n'a pas un micro? Merci, est-ce qu'on peut me donner un micro? Merci. Comment ça va? Ouais, toi? Tu viens plus aux soirées? Bah, elle était chaude la dernière, donc... Ouais, c'est vrai. Alors, comment il s'appelle? Kamel. Wally? Non? On est venu faire le malin? Non, je suis venu te faire un bisou parce là, que je te fais beaucoup. Un bisou. Merci, mon Kamel. Merci, mon chéri. Kamel! Kamel, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis comédien et agent immobilier. Je fais les deux. D'accord, donc tu es comme Stéphane Plaza. C'est ça. Bah, c'est vrai, il est comédien, il est agent immobilier, il aime la vie, on l'adore. Ouais. On embrasse Stéphane Plaza, voilà, oui, si il nous regarde. Et si Stéphane Plaza nous regarde... Je cherche un F2 meublé 44 mètres carrés dans la région lyonnaise. Je peux t'arranger ça, j'ai fait aussi l'émission avec lui. C'est vrai? Ouais. Mais t'as fait toutes les émissions? Ah bah, je suis là, dès qu'il y a bouffé, je suis là. Moi, bah, t'as bien fait. T'as bien fait, mon chéri. T'habites où? Argenteuil. Ouais, c'est sympa, je connais très bien Argenteuil. Une meuf là-bas aussi? Non, non, j'avais un ex, Pedro. Que j'embrasse. Dis-moi, est-ce que t'aimes bien l'émission Touche pas mon poste, tu regardes? Je kiffe. Quand on rigole, on dit qu'on fait quoi? Alors non, la rasra, c'est quand tu rigoles pas. Ouais. Quand tu rigoles bien, c'est la darka. La darka? La darka. La darka? Quand tu rigoles. Eh bien, darka égale caverne à baba, c'était le mot qu'il fallait prononcer. Caverne à baba, viens avec moi, mon caverne. Kamel, Kamel, merci d'être là. Est-ce qu'on peut amener la caverne à Baba, les chéris? Elle va arriver dans un instant. Kamel, t'es venu avec qui? Je suis venu avec ma copine. Ta copine, elle s'appelle comment? Samia. Salut, c'est Samia, c'est là? C'est elle, c'est elle. Salut Samia, ça va Samia? Ça va, il est sympa? Merci, elle fait que des gestes en fait, hein, Samia, elle fait que ça, que ci, que ça. Kamel, ça fait combien de temps que t'es avec Samia? C'est une question qu'il faut poser aux filles, parce que les garçons, ils se plantent souvent, donc, mais à peu près comme ça, grosso modo, presque 2 ans, enfin je crois. Presque 2 ans, donc en fait, entre 2 ans et 10 ans, on a compris. Merci. La caverne à Baba, elle est là. Tu vas devoir, Kamel,
aller chercher un cadeau dans la caverne à Baba. Mais comment ? Ou tu me dis, je garde ce cadeau. Ou je te proposerai un cadeau d'échanger ce cadeau. D'accord, Kamel ? D'accord. Kamel, est-ce qu'on peut installer Kamel, s'il vous plaît, puisque tu vas être installé et tu vas être mis en hauteur, tu vas voir, t'inquiète pas, et tu vas arriver comme ça pour prendre ton cadeau, d'accord ? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se couper de Kamel ? Regardez, il y a des gens qui font ça très très bien, ne t'inquiète pas, merci les gars. Ça va, vous croyez que ça va rentrer là avec Kamel ? Ça va rentrer. Ça va rentrer, non, parce qu'il est quand même costaud, hein. Kamel, tu prends n'importe quel cadeau, d'accord ? Tu vas avoir 30 secondes pour prendre n'importe quel cadeau. Tu le prends, tu me l'amènes, et ensuite tu pourras peut-être l'échanger contre un autre cadeau. Ok ? Tu es prêt, Kamel ? Kamel, ouais. On va t'attacher ici, tu vas voir. T'as le vertige ? C'est ça la question. T'as le vertige ? C'est ça le problème. Oui, et ben alors, tu veux qu'on annule ? On va discuter, mais on va y aller. Mais c'est pas très haut, il y a... Quand même, tu vas voir, tu vas... Non, mais c'est pas haut, mais c'est... Ça va te prendre à ce niveau-là. D'accord. Et tu vas voir, ça va te serrer. Ça va te serrer. Attention. Allez, s'il vous plaît, on installe Kamel tout de suite. C'est parti. Kamel... qui va aller faire la caverne à Baba. Allez. Je vais aller voir Samia pendant ce temps. Samia, ça va ? Il est gentil à la maison ? Oui, très gentil. Faites quoi, vous, dans la vie ? Agent immobilier. Ah, vous aussi ? Voilà. Ah, vous êtes dans la même agence ? Voilà. Vous êtes connu comment avec Kamel ? Oui, il y a très longtemps. Comment ? À l'école. À l'école ? Vous êtes connu à l'école, c'est pas vrai ? Ah ouais, vous êtes revus après, en fait. Voilà. Ah oui, d'accord, vous n'étiez pas sortis ensemble à l'époque ? Non. Merci. C'est bon, les gars ? Parce que là, j'ai l'impression, sans déconner, qu'il va faire un truc de malade, là. C'est bon, Kamel ? Attention, allez, on fait monter Kamel. Il est bien attaché, quand même, qu'on ne prenne pas de risque. Merci. Allez, c'est bon, merci. Merci, les chéris. Allez, Kamel, on y va. On le fait monter. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Ça va, Kamel ? Ça va. Oh, c'est haut, c'est haut. Ah ouais. Pourquoi aussi haut ? Eh ben, oh, sa mère. Tiens, d'ailleurs, sa mère. Oh, sa mère. Sa mère, comment vous le trouvez d'en haut comme ça ? Pas mal. Hein ? C'est la première fois que vous le voyez de dessus ? Eh bien, Kamel, sachez que vous êtes très à votre avantage. Ça n'est pas la peine de mettre vos mains devant votre sexe, on le voit très bien. Merci, Kamel. Oh, mon Dieu ! Kamel, faites descendre Kamel. Kamel, vous avez. Allez, je vais dire, j'étais trop... Non. Merci. Allez-y, remontez-le un peu. Merci. Calmez-vous. On fait moins le malin, hein. Qu'est-ce qu'on dit à Cyrilou ? Pardon, Cyrilou. Allez. Faites descendre, Kamel. Kamel, descends, mon chéri. Tu prends n'importe quel cadeau. Tu as 10 secondes. Prends le cadeau qui te semble, le plus te plaire. Attention. Le gros. Allez, descendez-le encore. Non, c'est celui-là, non. T'en prends qu'un. Non, je t'ai dit qu'un. Qu'est-ce que tu prends ? Tu prends celui-là ? Celui-là. Allez, t'as pris celui-là. Sortez-le, merci. On peut enlever la caverne, merci Jésus. Merci les gars, s'il vous plaît. Merci, Kamel. Ça va ? J'ai un cadeau, descends-moi. Non, ouvre le cadeau d'en haut, mon chéri. Je peux pas ! Mais pourquoi ? Parce que j'ai peur. Bon, bah alors descendez. Descendez-le. Ah, mais Kamel. Kamel, tu as choisi ce cadeau, mon chéri. Est-ce que tu veux que Samia vienne avec nous, à côté de nous ? Venez à côté de nous. Ça va, tu n'entends plus rien, toi, hein ? Ah, c'est fini, t'es plus avec nous. Attends, je vais t'enlever ça, merci. Voilà, est-ce qu'on peut venir lui enlever, s'il vous plaît, tout ça ? Merci, les chéris, s'il vous plaît. On va voir tout de suite le cadeau que tu as gagné. Oh là, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout, le cadeau que tu as gagné. Tu as gagné une caméra amovible. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un drone. Une caméra drone. Fort. Kamel, j'aimerais qu'on apporte le cadeau mystère, s'il vous plaît. Merci, est-ce qu'on peut apporter ? Merci. Kamel, c'est sûr. Merci. Faut tenir par en bas ? Merci. Ça va. Quel pain beige, celle-ci ? Tenir par en bas, ça va. Moi aussi, j'ai ma vie, moi aussi, j'ai mes soucis.
Kamel, vous avez gagné un drone. Est-ce que vous choisissez de garder ce cadeau ou est-ce que vous l'échangez contre le cadeau mystère? Franchement, moi... Moi, j'essaie de le faire pratique parce qu'un drone, automatiquement, il va se coincer dans un arbre. Je pourrais pas aller le chercher. Ouais, c'est vrai. Donc... Samia. On change. Ça vous plaît pas du tout, ce cadeau? Si, mais bon. Non. Ça vous plaît pas trop? Allez, je l'offre à ce jeune homme. C'est pour moi, ce cadeau. Merci beaucoup. Bye. C'est fini. Le drone est parti. Le drone est loin. Mais est-ce qu'on a échangé le drone, peut-être, pour un paquet de pâtes? Vous aimez les pâtes? Peut-être pour une autre chemise en jean. À ma taille, j'espère. Je propose que ce soit Samia qui ouvre la boîte mystère. Samia, regardez ce qu'il y a dans la boîte mystère. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être des clés, c'est pas forcément des clés de voiture. Alors... Regardez, ouvrez. Alors, non, deux secondes. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Absolument pas. En plus, elle est là. On n'a rien gagné. T'as pas gagné de bague. Là, on est dans un jeu. En plus de ça, ça fait quelques semaines que je suis en train d'organiser ça avec Cyril. Voilà, avec la production. Avec toute la production, merci à vous. Ça fait des semaines que je suis au téléphone en cachette et je vois que tu me regardes de travers, tu demandes avec qui je parle au téléphone. C'était avec la production. Ça fait des semaines que j'organise des embrouilles à la maison pour que tu évites de croire à ce moment-là, voilà, que tu ne penses absolument pas à ce qui se passe. Mais ça fait aussi surtout des mois que je me lève tous les matins à côté de toi et je me dis que j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Et je profite de cette situation pour dire à quel point je t'aime. Donc on est ici, tous les deux, devant tous ces gens-là, devant... devant toute la France, il y a aussi nos parents qui nous regardent, toutes les familles, la famille Trizic, la famille Chaldi. Je me demande si les parents ne se disent pas que je suis de trop peut-être sur le plan. Non. Ah ben non, je suis très 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 content de t'avoir comme témoin, comme garçon d'honneur. Tu es mon garçon d'honneur, Cyril et tout. Alors, je crois que tu as quelque chose à dire. C'est vrai, c'est quelque chose à dire et tout. Donc, j'aimerais te bousculer un petit peu, si tu veux bien. Voilà, si tu veux bien. Si tu veux bien, mais t'es pas obligé. Et moi, tu peux jeter ça. Et moi ici, Kamel, ici présent, je mets un genou à terre, voilà. Hein. Bon. Samia Chaldi, veux-tu m'épouser? J'ai pas entendu! Bravo! Embrassez-vous le chéri. Kamel et Samia, merci les chéris. Eh oui, ah, ça me fait plaisir. Eh, franchement, je suis comme un fou. Restez avec moi les chéris. Vous allez le faire quand, ce mariage? Elle a dit oui. C'est fait, c'est bon. Ça, c'est fait, ça, c'est réglé. Pour le mariage, il se passe plusieurs choses. Avant toute chose, la célébration, couscous à la baraque, tu es obligé de venir. Non, mais je passe. Couscous à la baraque, non, mais sans rigoler. Non, mais j'espère. C'est quand? Le couscous? Ou la baraque? Maman Malika. Malika, je te fais un gros bisou. Couscous à la maison, s'il te plaît, maman. Et deuxième chose, est-ce que tu peux faire plein de prières pour lui rendre fois mille le plaisir qu'il m'a fait ce soir? Un amour, Malika, merci. Alors, les chéris. Vous le savez, le mariage va se faire. Mais bon, moi j'aime bien quand les mariés, direct après le mariage, j'aime bien quand ils partent direct en voyage de noces. Moi je suis vieille France, moi j'aime bien les trucs à l'ancienne comme ça, tu vois. Vous avez prévu un truc pour voyage de noces ou pas? Là pour l'instant je suis au couscous. Je sais pas s'il y aura du couscous, mais en tout cas les chéris, vous partirez tous les deux. En classe business. Business, ça veut dire, t'arrives, t'es en business is business, quoi. T'as que des gars avec des ordinateurs, tout ça, tu décolles pas. Dans un hôtel 5 étoiles.
on vous offre, grâce à notre partenaire, les chéris, vous partez en voyage de noces au Sri Lanka, les chéris. C'est pour vous. Une semaine au Sri Lanka, grâce à notre partenaire. Merci. Merci à toi. Merci, merci, monsieur. Merci, mon cher. Merci beaucoup. Merci. Hey, vous nous enverrez les petites photos sur Twitter, Facebook, tout ça. Hein. Merci, les chéris. On vous souhaite beaucoup, merci, beaucoup, merci, beaucoup merci, de bonheur. On vous aime. Merci, les chéris. Merci. Allez par là. Merci, les chéris. Et ils partent. Ils partent au Sri Lanka. J'aime bien ça, j'aime bien. C'est important, quoi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah là, là, j'aime bien les voyages, j'aime bien les choses comme ça. Les chéris, est-ce qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Aurélie dans le public? Aurélie, elle n'a que 16 ans apparemment, elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Oui, colonel Riel, c'est important de le citer pendant une émission. Bonsoir, c'est vous Aurélie? C'est tout ce que je voulais savoir. Salut, merci. Ça va? Merci. Venez me voir. Venez me voir avec vos sœurs. Tu es ma señorita. La, 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 la. Oh, 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 tu es ma señorita. Señorita. C'est bon, merci, c'est bon. Merci d'être là. Comment ça va les chéris? Alors, on est venu s'encanailler? Ça va les chéris, merci d'être là. Aurélie, merci. Tu es splendide. Merci. Vraiment, tu es très très jolie, très souriante. Et vous êtes toutes les quatre là, c'est quoi ces bombes atomiques là? Eh, bim là, j'aime bien. Vous avez toutes des mecs? Oui. Merci. Alors Aurélie, tu habites Marseille. C'est ça. Tu as 32 ans. 32 ans. Tu aimes la vie, tu aimes le frisbee. Aussi. Voilà. Et tu fais quoi à Marseille? Je travaille dans une boutique spécialisée dans le corail. Dans le corail? Dans les bijoux en corail, ouais. Dans les bijoux? Les bijoux. Ah, pas les trains corail, en fait. Non. Je croyais que je vendais des trains, salut. Ouais, je voudrais deux trains corail, en fait. Je pars avec des potes. Non. Là, voilà. Je sais plus comment me déplacer. Et ça, ce sont tes trois sœurs. Hein. Il y a Aurore. Aurore, elle est là. Exactement. C'est la plus jeune, c'est ça? Oui. Aurore, 27 ans, qui fait quoi dans la vie? Auxiliaire puéricultrice. Qu'est-ce qu'il va? Auxiliaire puéricultrice. Auxiliaire puéricultrice. J'ai compris, hein, je ne suis pas plus con que j'en ai l'air. Il y a Stéphanie. Stéphanie, là voilà, Stéphanie. Comment ça va Stéphanie? Très bien. Vous êtes l'aînée? C'est ça. C'est ça, voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis agent de contrôle dans les transports. D'accord, donc c'est vous qui passez. Ticket s'il vous plaît, ça va? Exactement. Merci. Hep, 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 ticket. Bah, qu'est-ce que c'est ça? C'est vous qui arrivez. Vous êtes en 32B, hein, pas en 32A. C'est ça? C'est Mais ça. Vous devez être sympathique, vous, quand même, non? Oui. Merci. Pas du tout. Et il y a donc Laetitia. Laetitia, ça va, Laetitia? Oui, ça va. Vous faites quoi bien. Dans la vie? Assistante commerciale chez Manpower. Ah, j'aime bien. Travail temporaire. Tout à fait. C'est-à-dire c'est des travails qui passent et qui repassent. Aurélie, vous nous avez envoyé une petite vidéo. Oui. La voici. Voilà Cyril, eh ben, je t'adresse ce message de la part de moi et de mes trois sœurs. J'ai envie d'offrir à mes parents un voyage de noces parce que je sais que pour nous éduquer, ben, ils ont sacrifié cette partie-là. Et, est-ce que tu pourrais faire en sorte que, ben, que mes parents renouvellent leurs vœux et qu'ils partent enfin en lune de miel? Merci. Et je crois... Vos parents, c'est Julien et Jocelyne? C'est ça. D'accord, les deux J, comme on les appelle. C'est ça. Ils sont là? Oui, ils sont là. Ça va? Ils ne savent pas du tout pourquoi ils venaient? Non. Bah, vous leur avez dit quoi? Qu'on venait participer à Touche pas à mon poste. Et ils n'ont pas vu que le plateau n'était pas le même? Ouais, mais non. Eh ben non. Non. C'est quand même. Les seules personnes, depuis le début de l'émission, j'entends... Elle vient pas, Isabelle Morini-Bonne? Parle pas trop de télé aujourd'hui quand même. Hein. Moi, je trouve d'habitude, ils font plus de débats, tout ça, je comprends pas, voilà, je comprends pas. Eh bien, je vais leur demander de venir nous rejoindre. Venez nous rejoindre, venez. Merci à Julien et Jocelyne. Venez me voir. Merci Jocelyne, merci d'être là.
Ça va, ma Juju? Ça va, ma Juju? Salut, Juju! Comment il va, lui? Hey, il va très bien. Il fait quoi? Il fait du sport ou pas? Oui. Il fait quoi comme sport? Venez là. Eh bien, je fais des arts martiaux. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Vas-y, attaque-moi. Il fait quoi comme art martial? Taekwondo. Taekwondo? Oui. D'accord. Oui. Fais gaffe quand même. Ouais, non, mais... Merci d'être là, Julien. Merci d'être là. Alors, dis-moi. Votre rêve, Aurélie, c'est que vos parents repartent en voyage de noces. Ils partent en voyage de noces parce que pour nous, en fait, ils ne sont pas partis. En fait, ils nous ont éduqués et tout, donc du coup... Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent technique d'entretien. D'accord, très bien, je vous fais un gros bisou. Merci. Et vous, Julien? Je suis conducteur de travaux. D'accord, donc vous conduisez des travaux? Non. Les chantiers. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a un chantier. Je suis en partie d'électricité. D'accord, très bien. Oui. Tu peux regarder ce que tu peux faire pour Izzy? Ah oui, il n'y a pas de souci, sans problème. Julien, Jocelyne et toute la famille, Aurélie, Aurore, Laetitia, Stéphanie, on a très envie d'offrir un voyage de noces à vos parents. Ils ont très envie d'y aller aussi. Et c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, ils s'occupent beaucoup de vous. Et c'est pas facile quand on a 4 enfants en plus de subvenir à tous les besoins. Donc ce soir, on va faire appel pour gagner ce voyage à Mathieu Delambre. Mathieu Delambre. C'est au vert. Déjà, petit test. Julien, vous l'aimez bien, Mathieu Delambre? Oui, c'est très bien. Ah. Oui. Vous dites ça pour qu'il vous fasse... Eh bien, écoutez, vu les grands, donc... Oui, il est grand. Ouais. C'est vrai. Jocelyne, vous l'aimez bien? Moi aussi, je suis également un peu bagarreur, donc... Taekwondo. Il va aller me vérifier les niveaux dans la voiture et il va s'affermer. Eh non, c'est pourquoi j'ai ça? Je sais, mon chéri, t'es très beau et ça te va très bien. Ah. Mais toi, tout te va. Ah bah c'est gentil. Oui. C'est une tenue de quoi? Ça, une tenue de quoi? Prisonnier. De prisonnier. Et je peux te dire que si j'avais été en prison, ça aurait pu être possible, comme je suis un peu castagneur. Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir comme co-détenu. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en prison, on leur fait des bisous et c'est vrai que ça leur apporte un peu de bonheur de voir toutes nos conneries. Pourquoi vous êtes emprisonné? Parce que, telle la série Prison Break, yes, j'ai dessiné tout le plateau de la Plaine Saint-Denis. Vous êtes tatoué? Sur mon corps. Vous avez donc tout le plateau tatoué sur votre corps? Exactement. Donc, si les jeunes filles... Et donc, vous allez devoir retrouver le pilote de ligne qui est dans les locaux de la Plaine Saint-Denis. Il a dans sa main un billet pour 2 personnes pour un voyage de noces, pour vos parents. Si vous arrivez à le trouver en moins d'une minute trente, vous l'offrirez à vos parents. Sinon, malheureusement, on sera perdu. On voit le pilote qui est là. Regardez. Et bien sûr, il est pilote comme moi, je suis bouché. Mais bon. Il est... Mathieu, vous avez donc ici... Regardez, il est tatoué. Ah oui, quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a tout le plan du studio ici. Dans un instant, vous aurez 1 minute 30 pour regarder ici le plan sur le corps de Mathieu et trouver où se trouve le pilote pour faire gagner le voyage de noces à vos parents. On se retrouve dans un instant dans C'est pour nous, c'est cadeau. A tout de suite, mes petites bottes. Ça te va bien. Merci d'être avec nous, on est en direct sur C8 et bientôt on va passer les 9 heures de direct, hein, les chéris. 9 heures de direct. Eh ouais, 9 heures. 9 heures de direct. Et lui, il s'en fiche totalement. Pas du tout, ça veut dire 9000 euros pour l'association. Oh, je crois que j'ai oublié ça. Bravo, monsieur. Merci d'être avec nous dans C'est pour nous, c'est cadeau. Il va se passer encore plein de choses dans cette émission. Je vous le dis, il y aura une énorme surprise, peut-être, pour le public. Vous restez avec nous. C'est les 35 heures. On va être en direct juste après avec toute l'équipe de Touche pas mon poste. Vous allez relever des défis, hein, les chéris, face à des recordman. Vous allez voir, c'est une émission géniale. Après encore, hein, on va être dans des défis, des records, tout ça, on va rigoler. Et moi, je suis à l'antenne avec toi jusqu'à 6 heures cette nuit. Non, c'est vrai? Ouais. C'était pas prévu. Ah bah, je te le dis. Non. Ça va? Bah si. Non, mais je vous aime beaucoup, mais je savais pas. Ah bah si. Vous avez demandé? Jusqu'à 5 heures du matin. Ouais, alors moi, je dors de 3 heures à 5 heures. Pareil.
On va le faire rentrer, hein, on va le faire rentrer. Allez, pour le moment, nous sommes avec Aurélie. Aurélie qui nous a envoyé une vidéo dans C'est pour nous, c'est cadeau. Et elle voulait absolument que ses parents, Julien et Jocelyne, partent en voyage de noces. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Et elle aimerait voilà, leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour elle et pour ses sœurs, parce qu'ils sont jeunes mariés et ils ont dû subvenir aux besoins de leurs quatre filles. Pour gagner ce voyage, elles vont avoir besoin de vous, Mathieu Delormeau. Il y a un magnifique voyage à gagner en classe business, dans un hôtel 5 étoiles pour vous. Je vais vous dire où dans un instant. Pour le moment, Mathieu Delormeau a le plan du studio ici, sur son corps. Vous allez avoir 1 minute 30 pour découvrir où se trouve le commandant de bord qui a dans ses mains les billets. Voilà, le commandant de bord, voilà, qui a des billets même chelou, hein, c'est le seul gars, il a des billets en format A4, mais bon. Ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, il est commandant de bord, comme moi je mange de la rillette. Allez, merci. Il est viril. Quoi ? Non, je dis, il est viril, le commandant de bord. Ah non, mais... Bah non, mais... On se passera de vos commentaires. Très bien. Ding dong, les sushis sont en bas. Regardez vos tétons. Mmh. T'as une jolie téton. Ils vous plaisent ? Non. Parce que j'ai pas que ça de magnifique. Non, mais c'est bon. Ah bon ? Ah oui, c'est bon. J'ai vu les tétons, j'ai tout vu. Hein. Mmh. Vous me dégoûtez, mais je vous aime bien. Allez. Mathieu, vous allez donc aider les filles. Vous allez partir avec les filles. Les parents vont rester avec moi. Jocelyne et Julien restent avec moi. Vous allez avoir 1 minute 30 pour retrouver le commandant de bord. Vous allez regarder le plan avec Mathieu Delormeau. Ok, les chéris ? Vous regardez bien le plan. Ah, bien déjà. Vous suivez le plan par rapport à Mathieu. Et vous voyez où vous devez aller. Vous avez 1 minute 30 pour retrouver le commandant de bord. Les filles, est-ce que vous avez bien vu le plan ? Ouais. C'est bon ? Là. On est là. Voilà, vous êtes là. Il est où le commandant de bord ? Là. Il est là. C'est pas mal. Pas mal. Attention les filles, c'est parti, on y va. Venez avec moi, je suis. Là. C'est ça, hein ? On était là. Dépêchez-vous, est-ce qu'on peut avoir le chrono, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut avoir le chrono à l'antenne, s'il vous plaît ? Non, il n'y a personne. Là. Voilà. C'est la loge de Cyril, tenez, je donne un caleçon. Non. Je donne un sec. Qu'il est con. Lisez bien le plan, lisez-le. Là. Allez. On avance. Il vous reste 55 secondes, dépêchez-vous. Là. Là ? Non. Non, là c'est Winnie. Allez voir peut-être là dans la loge. Là, peut-être, ça peut être là. Non, il n'y a pas. C'est les toilettes. Regardez bien sur le corps de Delormeau, refaites un point. Il reste combien de temps ? Vite, 40 secondes, vite. 40 secondes. Là. Non. Là. Non, c'est personne. Ah, mais les filles, écoutez, un peu de respect. Attends, mais lisez le plan. Vite, regarde le plan. Vous avez regarde plus le plan, que 25 secondes. Mais non, faut pas monter. On s'est... Regardez bien, les filles. Il reste 30 secondes, on s'éloigne. Vite, 20 secondes. Ah. Vite. Combien de temps ? J'ai perdu l'oreillette. Là. Vite. Non, il y a personne, mais c'est pas là. Vite. Il y a une porte là. Il y a une porte, les filles, par là-bas. Il y a une porte là-bas. Il y avait une porte par là-bas. Il faut reporter. Là. Ah. Quoi? Vous l'avez trouvé ou pas? Ouais. Oh là 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 là. Hey. C'est passé à ça. Bravo, les filles. Bravo les filles! Jocelyne et Julien, vous avez gagné le voyage, les chéris! Merci. Les chéris, vous allez partir dans un hôtel 5 étoiles, en classe business. Vous allez être bien, vous allez être tranquille. C'est quoi le pays où le plus loin où vous êtes parti? Martinique, vous êtes parti le plus loin? Partez bien dans le micro. Pour le travail, mais bon, Martinique, ça fait très longtemps. Très longtemps, ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti. Pour le travail, ça fait très longtemps, mais c'est en Irak. En Irak, d'accord. C'est un déplacement. Donc ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti loin en vacances, Jocelyne ? Oh, ça fait des années. Est-ce que vous allez partir en Thaïlande, les chéris ? Ah ouais. Vous partez en Thaïlande, en classe business, dans un hôtel 5 étoiles. Vous pouvez remercier vos filles qui ont été formidables.
Julien et Jocelyne, on vous aime fort. On vous souhaite un bon voyage. Profitez bien, les chéris. Et c'est pour nous. C'est cadeau. Julien et Jocelyne, bravo, les chéris. Merci. Merci, les chéris. Merci. Ah bah tiens, les voilà. Faites-moi un gros bisou. Bravo. Bravo et bravo à Mathieu Delormeau. Bravo, les chéris. Merci à vous. Merci. Merci les chéris. Merci à toute la famille. Et merci à Mathieu. Vous avez été super. Merci. Vous avez été exceptionnel. Et bravo à Mathieu Delormeau. Merci Mathieu. Merci. Merci les chéris. Merci d'avoir été là. Et j'espère qu'ils nous enverront des petits mots. Voilà, sur Facebook, sur Twitter. Les chéris. Est-ce qu'il y a des infirmières dans le public ? Parce que je me sens pas très bien. Et ouais, ça fait 8 heures que je suis à l'antenne. Je suis au bout du rouleau, les chéris. Hein ? Ça va ? Vous êtes infirmière ? Pas toutes. J'aimerais, moi, en fait, avoir Pascal, Morgane et Julie. Elles sont où ? Venez-moi. Pascal, Morgane et Julie, bonsoir. Bonsoir. Cyril. Enchantée. Ça va ? Bonsoir. C'est qui, vous ? Morgane. Morgane et donc Pascal. Bravo. Oui, c'est Julie, Pascal, Morgane. Donc, comme j'avais fait Julie, attends, Morgane, vas-y. Je me suis dit, ah, ça c'est Pascal. Alors, c'est Morgane. Merci, fous-toi de ma gueule. Pascal, vous êtes aide-soignante à Chartres. Pascal. Oui. Et vous êtes donc accompagnée de vos deux copines. Et vous nous avez envoyé une petite vidéo. Elles sont au courant ou pas ? Oui, elles ont fait avec moi. Bah, je sais, c'est pour enfin, ça. Julie, mais... Voilà, exactement, pas vous. Hein. Ah, quoi, vous étiez où ? En vacances. D'accord, sinon ça va, ça bosse ? Sinon ça va, ça va. Merci, très bien, regardez la vidéo. Salut, je suis Noémie. Coucou, moi c'est Morgane. Et moi c'est Pascal. On travaille dans le service de pédiatrie à Chartres. Génial, Luna, nous avons un souhait pour toi. Ça serait de mettre de la couleur partout sur les murs. Éventuellement un petit kiff pour moi, ce serait un bisou de Mathieu. Alors Cyril, on compte sur toi et les enfants aussi. Alors les chéris, Pascal, vous vous occupez donc d'enfants malades. Oui. Alors, vous êtes à Chartres. Oui, à Chartres. Et c'est vrai que l'hôpital, là, voilà, la déco, ça vous plaît pas trop. Ah bah, c'est carrément moche. C'est vrai ? Je sais pas où ils ont pris l'architecte, mais franchement, c'est des murs en béton. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à l'hôpital ? Je suis pas allé à l'hôpital. Oui, là-bas, là. Aujourd'hui, là, ça fait 3 jours. 3 jours que vous n'êtes pas allé ? Oui. Va falloir que vous y retourniez. Ah, je suis pas pressée. Hein. Non. Parce que... Je vous le dis. Ils y sont ? Il a changé l'hôpital. C'est vrai ? Regardez. Non. Ah ouais ! Eh ouais ! Eh oui, les chéris ! Ma Pascal. Oh, eh ouais. Ouais, ça a changé. Eh oui, les chéris. Eh oui, les chéris. Je vous fais un gros bisou. Alors, attendez, parce que c'est pas fini. Les chéris, on va remercier l'association C'est que du bonheur, l'association d'Hélène C, qui fait un travail exceptionnel et qui nous a permis de réaliser tout ça et de refaire votre salle d'attente, mais aussi votre salle de repos pour vous remercier et pour que les enfants soient mieux dans cet hôpital. Et il y a juste un truc qu'on a oublié, c'est que je crois qu'on a aussi caché quelque chose dans vos casiers, les filles. Regardez. Infirmières, les chéris, vous partez au ski en Andorre pour 6 personnes. Chaîne traîneau, motoneige, spa privatisé. Vous allez kiffer, les chéris. Vous êtes contents, les amours ? Ah, je vous fais un bisou. Merci, les chéris. Merci. 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 Merci.
Merci Pascal, c'est grâce à toi. Merci. Merci Panama, bien sûr. Alors je voudrais remercier tout le monde, toute ton équipe, Baba, parce que je te regarde tous les soirs. Ils ont fait un travail magnifique. Et puis surtout, je voudrais dédier cette émission à Mélina, qui nous a quittés au printemps dernier. Voilà, je lui dédie cette émission, j'espère qu'elle est fière de nous, parce que moi, des fois, je me demande pourquoi je me lève à 5h du matin ou je ne vois pas mes enfants à Noël. Mais c'est pour partager des moments avec les enfants qu'on fait ce métier, et voilà, on est là pour vous. Merci beaucoup. Bon travail, magnifique. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci, les chéris. Amusez-vous bien au ski. On vous aime. Oui, ma chérie, vas-y. On voudrait juste aussi... Là, on n'est que trois, mais en fait, derrière nous, on est une équipe de 80 en pédiatrie. On voudrait leur faire un gros coucou ce soir. Il y en a beaucoup. Alors, on ne pourra pas envoyer tout le monde au ski. Parce qu'on n'a pas assez de chiens de traîneau. Mais bravo pour tout le boulot que vous faites. C'est un travail formidable. Et on embrasse toutes les infirmières, tous les infirmiers et tout le corps médical qui nous regarde et qui font un travail exceptionnel. Merci, les chéris. Merci. Merci. Ne vous inquiétez pas, on va récupérer vos micros. Ah là 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 là, dans un instant, je vous le dis, il y aura encore une surprise. Et puis il y aura une grande star qui a fait une très très belle surprise. On va prendre les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut récupérer les micros? Merci. Merci. Joseph, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut venir récupérer les micros assez rapidement? On te voit à la caméra, on s'en fout. Merci. Oui, mais tu peux passer devant. Merci. Bah, va les chercher. Merci. Merci, Joseph. Merci. Merci, Joseph, qui a peur qu'on le voit alors qu'il est très beau gosse. Merci, je comprends pas. C'est un mélange de Louis de Funès et de Bruce Willis. Merci. Allez. Les chéris, il y a encore une grande star qui a fait une très très belle surprise à quelqu'un. Vous verrez, il y a une star qui est partie chez une fan qui est devenue complètement folle. Je vous le dis. Pour le moment, est-ce qu'il y a un couple qui s'appelle Mickaël et Aurélia? S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Merci. Mickaël et Aurélia. Vous êtes juste là? Venez me voir. Venez me voir. Salut Mickaël. Salut mon chéri. Salut Aurélia. Comment ça va mes chéris? Ça va, ça va. Alors Mickaël, vous êtes avec votre maman si je crois? Tout à fait. Valérie qui est là pas mal. Venez, venez Valérie, venez, venez, venez. Venez. Comment ça va ma Valérie? Ça va bien. Ça va ma chérie? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire médical. D'accord, bah c'est pas la peine de gueuler comme ça. Hein. Ça va moi aussi, un secrétaire médical, il s'appelle pas le médecin? Oui. C'est au Havre? Oui. Il fait quoi comme spécialité? On en a 40. De quoi? Médecins. Quoi, il y a 40 médecins? On cherche 40 médecins. Ah ouais? Oui. Ils s'y font? Ils travaillent. Vraiment? Ça va? Alors, on a joué dans Prison Break, celui-ci aussi? Mieux que Mathieu, quand même, non? Ah, c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Alors, Valérie, vous nous avez envoyé une petite vidéo pour votre fils et sa compagne. Ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont là. Elle vous a dit quoi, en fait? Combien pour toucher pas mon poste. D'accord. Voilà. Ah. Il n'y a pas un gars qui est à un moment dans le public, il n'y a pas un gars qui fait « J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne émission. » Non, ils sont là, pour vous tranquille, sur Yannouna, on ne sait pas, de toute façon, on verra bien. Bah, regardez la vidéo. Je m'appelle Valérie, j'ai mon fils Mickaël avec sa compagne Aurélia qui attendent un bel événement pour le mois de février. Et ils n'ont encore rien acheté, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc s'il te plaît, je fais appel à toi pour que tu puisses les aider. Merci. Alors, vous attendez un heureux événement, voilà, donc puisque Mickaël a 28 ans. On vous voit dodo, hein, c'est très bien, allez-y, hein, continuez comme ça, c'est très bien. Hein, voilà, et je crois qu'Aurélia est enceinte de 5 mois. Donc, si mes calculs sont bons, ça devrait arriver dans 4 mois. Un enfant, rassurez-moi, c'est bien 9 mois. Il n'y a que moi qui suis arrivé directement à 18 ans. Je suis sorti du ventre de ma mère, j'avais déjà le permis. Non, mais c'est vrai. Mais donc, ça va arriver bientôt. Je sens déjà... Mickaël ému. Mon Mika, j'ai très envie de vous offrir quelque chose pour le bébé. Vous avez besoin de tout le nécessaire pour l'arrivée du bébé et on a envie de vous l'offrir. Mais je vais vous dire, vous êtes entraîné à pousser la poussette, tout ça déjà ou pas du tout, Mickaël? Non, mais ça... Quoi, vous sentez pousse, ça? Je pousse au boulot, donc ça va. D'accord, vous faites quoi comme travail? Maçon verdé. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord, et vous? Aide-soignante. D'accord. Les chiens. Valérie, Mickaël et Aurélia. Il y aura 3 étapes avec un landau. Vous allez devoir donner un biberon. Le bébé devra le finir.
Ensuite, vous avez un petit pot à donner, le bébé devra le finir. Et enfin, un slip-couche à lui enfiler. Je vous le dis, vous allez avoir 1 minute 30 pour faire tout ça. Le problème, c'est que le bébé, c'est un bébé un petit peu spécial. Vous avez un sacré gabarit, donc le bébé peut être costaud. Regardez le bébé. Pour gagner tout le nécessaire, les chéris, vous devrez faire ce parcours avec Mokhtar dans le landau. On a quand même fait un landau de 2 mètres, hein, les chéris. Vous allez rejoindre tout de suite Mokhtar. Alors, allez-y. Donc, on peut les amener, s'il vous plaît, Joseph. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, allez rejoindre Mokhtar, s'il vous plaît, Michael. Est-ce qu'on peut les amener? Il y a toujours notre ami qui fait du vélo. Hein. Le pauvre, ça fait plus de 8 heures qu'il fait du vélo. Alors, attention, on va les retrouver dans un instant. Ils seront avec Mokhtar. Ils vont devoir faire tout ce parcours en 1 minute 30. C'est quoi, ça, c'est la couche? Exactement. Merci, bah, je ne suis pas plus con, j'ai vu que c'était une couche. Hein. Donc, ils vont arriver ici. Attendez, les chéris, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts, les chéris? Est-ce qu'on peut les voir? Vous êtes prêts? Aurélia, vous êtes prêtes? Est-ce que vous m'entendez? Michael et Aurélia? Oui. Oui. Attention, vous allez devoir donc prendre Mokhtar. Vous devrez lui donner le biberon. Ensuite, il a un petit pot à donner. Il devra le finir, Mokhtar. Et ensuite, lui enfiler ici le slip-couche, d'accord, qui est ici à côté de moi. Attention, vous avez 1 minute 30. Pour le tourner, il faut lever un petit peu. Voilà, c'est Jésus qui vous donne quelques conseils. Attention, Aurélia, c'est parti. Oui. Top, 1 minute 30. Allez, on y va. Le biberon, donne-moi le biberon. Le biberon, allez-y. Faut qu'il boive tout le biberon. Vite. Allez. Non, complètement. Oui, voilà. Vite. Vite. Ah bah ils sont pas loués, hein. Vite, ouais. Vite, il y a le petit pot. Le petit pot, vite, le petit pot. Vite, il doit finir le petit pot. Vite, c'est bon. Vite, cours. Allez, vite, 50 secondes. Il faut mettre le slip couche à Mokhtar, allez, vite. Voilà, complètement. Allez-y, complètement. Vite, 30 secondes, vite. Vite, il faut qu'il soit complètement fermé, vite. Oh là là, je ne sens pas l'histoire. 22 secondes, 21. C'est bon. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné, les chéris. Les chéris, venez me voir, les chéris. Bravo, Michel. Bravo, Aurélia. Valérie, merci. Bravo, mon Mokhtar. Les chéris, on vous offre pour le bébé qui va arriver le trio poussette. C'est que ça coûte ça, hein, c'est, je connais. Et tous les accessoires pour bien accueillir votre enfant, vous aurez tout ça, les chéris. Mais Michael et Aurélia, bien sûr, ça c'est sûr qu'on allait vous l'offrir. Mais on vous offre également la chambre du bébé. Regardez la magnifique chambre le bébé que vous avez gagnée. C'est pour nous, c'est cadeau, mes chéris d'amour. Alors, regardez, tout ça c'est pour vous, bien entendu. Tout ça c'est pour vous. Vous savez si c'est une fille ou un garçon ou pas? C'est un garçon? Oui. Comment vous allez l'appeler? Raphaël. Raphaël, et bah très bien. Voilà, tout ça c'est pour vous. Vous auriez pu l'appeler Mokhtar. Hein. Merci les chéris, tout ça c'est pour vous. Merci à Mokhtar. Et surtout, vous pouvez me dire merci. Vous pouvez dire merci. Oui, merci. Merci. À toi. Merci.
Merci à toi surtout. Mais non. C'est quoi l'amour? C'est grâce à toi, ma chérie. Je te fais un gros bisou. C'est vraiment l'amour. Merci. Et bravo à Bébé Mokhtar. Merci les chéris d'avoir été là. C'est pour nous, c'est cadeau. Ah là 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 là. J'adore, j'adore. Merci, merci. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être fidèles. Regardez, il y a quand même Mokhtar. Mokhtar qui s'en va. Merci Mokhtar. Bravo, Elia. Bravo, Mickaël. Les chéris. Avant d'annoncer l'énorme surprise pour le public, les chéris, parce que vous allez vivre un moment incroyable ce soir, tous, peut-être, parce que c'est pas encore gagné, je voudrais dire qu'il y a dans le public deux sœurs qui s'appellent Maëva et Elia. Et Maëva et Elia, ce sont les seules qui savent pourquoi elles sont là ce soir. Et oui, elles sont fans d'un chanteur, elles sont fans de Black M. On est tous fans de Black M, on le kiffe à mort. Et Black M, il leur a fait une magnifique surprise. Regardez. Moi, je m'appelle Maëva, j'ai 25 ans, et si je vous envoie cette petite vidéo, c'est pour réaliser le rêve de ma petite sœur, qui s'appelle Elia, qui vous dit quelque chose, lui? Voilà, Black M. Ma sœur est absolument fan de Black M. Et fan, c'est un tout petit mot. On entend tellement parler de Black M que des fois, on se demande s'il fait pas partie de la famille. Voilà, enfin, vous m'avez compris, elle est absolument trop fan de Black M. Donc, s'il te plaît, Baba, si tu peux lui réaliser son rêve. Mille merci. Bisous à toute l'équipe, salut. Eh bien les chéris, on a tenté de réaliser leur rêve, regardez ce que ça a donné. Voici Elia, fan de Black M, accompagnée de notre complice, sa grande sœur Maëva. Elia ne le sait pas encore, mais c'est ici, dans cette célèbre salle parisienne, que notre piégée va réaliser le rêve de sa vie, rencontrer son idole, Black M. Pour le moment, elle est persuadée qu'elle sera à un casting de danse. Pour que l'illusion soit parfaite, rien n'est laissé au hasard. Faux logo, faux jury et faux danseurs, tout est prêt pour la surprise. Le temps presse, il faut vite briefer Black M. Je vais te présenter ta fan, voici Elia. Archimignon. Elle est fan de toi depuis ses 10 ans. Wow. Mais non. Non mais t'as vu, tu t'attendais qu'elle soit si fan? Non, franchement non. Une fois, elle t'a vu, t'étais à 200 mètres d'elle, elle a fait un malaise, elle était avec sa sœur. Ah ouais? Ah ouais, elle est fan. Mais fan, ça veut fan. Dire là, ça va être chaud. Bah on sait pas. On va voir. Ok. Ok, donc à tous, on se met tous en place, Elia arrive d'ici une minute. Musique s'il vous plaît. À quelques secondes de sa prestation, la pression est au maximum pour Elia. On te remercie, Johan. Merci d'être venu. Bon courage à toi. Salut. Je suis pas stressée. Allez, attention. On y va dans 3, 2, 1. Top entrée, Elia. Bonjour. 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 Arrête-toi là. Super. Je vais te mettre au niveau de la croix qui est juste derrière toi, s'il te plaît. Voilà. Super. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elia. Et donc tu nous as préparé quoi? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. T'es stressé un petit peu? Oui. Et bah tu vas être encore plus dans quelques secondes. Musique. Papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle. Même regard de haut comme la tour Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté toi SMS. C'est dingue, je réalise pas. Elle est terrible. Ça va? Ouais, cool. Mais je réalise pas. Ça fait tellement de temps que je rêve de te voir, tu imagines même pas. C'est elle qui a tout prévu. Donc tout le monde était prêt. Voilà, tout le monde est au courant. Elia savoure chaque instant auprès de son idole. Ça
c'est un truc de dingue. J'ai envie que tu reviennes tous les jours. Merci. Et je te remercierai jamais assez, je crois. Y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, vous revenez me voir en concert. Avec plaisir. Allez, câlin. Dans les loges, tu m'invites. Comme tu veux. Y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci encore. Ciao. À peine Black M parti, Elia se laisse submerger par l'émotion dans les bras de sa sœur, grâce à qui elle a pu réaliser son rêve. Ça va ? Tu réalises pas ? Non. Ça va ? J'allais faire tous les jours ça. Tous les jours ? Maëva et Elia qui sont avec nous là, mes chéris. Hey. Hey. Non mais hey, t'étais comme une folle. Hein. Ah ouais, complet. Bah, c'est un amour en plus. Hein. Ah oui. Black il est d'une gentillesse. Ah mais c'est un amour de mec. Et quel talent. Quel... Il a tout. Tu lui as fait un beau cadeau. Ah ouais. T'es encore plus fan de lui parce que t'es fan de lui depuis que t'as 7 ans. Ouais. Ça fait 10 ans que t'es fan de Black M. Ah oui, je le supportais déjà à l'époque de Section d'Assaut. Et tout. T'aimerais bien le revoir. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais, franchement. Ouais. En plus, il est d'une humilité dingue. Quoi. C'est vraiment que c'est quelqu'un de c'est super gentil. C'est notre poteau, on l'aime, Black M. Eh ben, t'aimerais vraiment le revoir. Ah bah ouais. Parce que je crois qu'il était dans le quartier, je crois qu'il participait au débat des primaires. Sur TF1. Black M est avec nous ce soir. Venez là, Michel. Yeah, welcome, welcome. Yeah, est-ce que ça va tout le monde? Yeah. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.B. Le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Si je ne vais pas voter, ils vont envoyer ma communauté. Je suis revenu pour tout rappeler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier même. Pour commencer, je vous emmerde tous. J'ai commencé et je finirai tout seul. Ils bronzèrent ma mais m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens faut te dire pousse-toi. C'est pas marron quand tu viens de la frousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez pousse. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande où ça. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est non, on ne bouge pas. Papa, pas ça tire mais ça ne me touche pas. Bla 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 comme le faux rap sur Bouska. Oh. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs, ailleurs. Tout le monde, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier même. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Yeah, 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 yeah. Black M est avec nous. Son nouvel album, Éternel Insatisfait, sortira le 28 octobre prochain. Et on le kiffe, voilà, Black M, frérot, merci. Merci mon frère, merci. C'est un amour. J'adore, viens lui faire un bisou. Il vous fait pas kiffer sans rigoler? C'est pas le meilleur? Si, c'est le meilleur. Voilà, bon, on l'aime. Hey, mon Black M, bravo pour l'album, il est exceptionnel. Et bravo merci pour beaucoup. Ce que tu nous as fait parce que merci, merci. Elle est merci comme ma une sauce. Folle. Black M. Vraiment, hey, t'as un amour, mais qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des gens comme ça qui sont en pleurs quand ils te voient? Ça me fait kiffer, je suis un peu gêné, ouais. Mais ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. tu penses à Madame Pavoshko, ça me fait kiffer, je pense à Madame Pavoshko qui me disait non, tu n'y arriveras pas. C'est ça. Et grâce à des personnes comme
Elle, et ben voilà. Eh, mais t'as un talent de fou et on t'aime. Merci. Merci. Bravo, tout mon Black M. Je rappelle, Éternel Insatisfait, là, l'album de Black M sort le 28 octobre. Et ça, c'était le nouveau single qui compte que je kiffe de ouf. Yes, merci. Eh, salut mon frérot, merci. T'es un amour et tu sais que je suis toujours là. Merci. Bravo mon frère. Bye bye tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Merci les chéris. Merci les amours. Bah, repartez avec Black M. Repartez avec Black M. Ciao. J'en fais un peu trop. Bon les chéris. Il est 23h23, nous sommes en direct sur C8, on est en direct pendant pratiquement toute la nuit. On sera direct toute la nuit, vous allez me voir dormir, je vais dormir de 3 à 5, mais je resterai avec vous. Hein. Parfois je ferai des petits réveils, salut, ça va, t'as là. Il y a une autre émission qui arrive dans un instant avec tous les chroniqueurs de Touche pas au poste sur ce même plateau, où il va y avoir beaucoup beaucoup de défis, mais pour le moment, depuis le début de la soirée, je promets un cadeau exceptionnel au public. Les chéris, vous êtes 400 et peut-être que dans un instant, vous allez remporter un cadeau exceptionnel. Mais pour remporter ce cadeau, on va devoir faire rentrer Kadera de leur mot. Merci. Les chéris. Kadera, la babouche vous va très bien, Kadera. Ah, c'est gentil parce que... Mais très fort. La babouche saucette revient très fort. Hein. T'en reviens très très fort. Vraiment, c'est très très beau. C'est gentil. Les chéris, il y a peut-être une magnifique surprise pour le public ce soir. Restez avec nous. Mais juste, pour jouer, on a besoin d'un orchestre. Et nous avons avec nous ce soir Christophe Macroud et son orchestre. Merci. Merci. Rideau. Merci. L'écran. Merci. Merci. Alors, merci. Merci à Christophe Macroud et son orchestre qui vient directement de Tunis. C'est Christophe Macroud. Hein. C'est comme Christophe Maé, mais version tunisienne. Voilà, et donc, c'est très simple. Merci Christophe d'être là. Merci Christophe Macroud. Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. La règle est très simple. Kadera de Lormeau va partir dans les loges. On y a caché, cette fois-ci, non pas un commandant de bord, mais un chameau. Il aura une minute tout pile pour trouver le chameau. Pendant ce temps-là, Christophe Macroud et son orchestre chanteront « Il est où le chameau ? Il est où ?» Les chéris, il faut qu'il revienne ici, au bout d'une minute, avec le chameau. S'il revient avec le chameau, je vous annonce une énorme surprise pour tout le public. S'il ne revient pas, je ne vous dirai même pas ce que vous avez perdu. Je vous le dis, s'il vous plaît. S'il ne revient pas, je ne vous dirai même pas ce que vous avez perdu parce que ça va vous foutre les boules. Donc je vous dirai que si c'est gagné, Mathieu, on va démarrer avec Christophe Macroud et son orchestre. C'est parti, une minute pour trois hommes. Il est où? Il est où? Il est où le chameau? Il est où? Il est où? Il est où le chameau? Il est où? Il est où? Il est où le chameau? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le chameau? Il est où? C'est celui-là? Non, c'est un vrai chameau! Non, vite! Elle est là! Ah, il est là. Oh.
continuez, continuez. Vous les amours, il y a. Il y a. Il y a les amours, il y a. Il y a. Il y a les amours, il y a. Il y a. Il y a les amours, il y a. On arrive, on arrive. Ouais, je me dépêche. Il y a. Il y a. Voilà, il faut que ça rentre sur le plateau. Ça passe, ça passe. C'est bon les gars, poussez-vous. Il y a. Mais, Mathieu, voilà. Il y a. Il y a. Il y a. Laissez. Attendez. Venez. Le chameau est là. Le chameau est là, les chéris. Et bravo à Christophe Patrou et son orchestre. Allez-y. Les chéris. Ça va, mon gars? Ouais, nickel. Les chéris. Deux minutes, s'il vous plaît, on se calme. Il y a quand même André de Fort Boyard qui est venu nous voir. Salut André, comment ça va mon chéri? Ça va, c'est n'importe quoi. Les chéris, j'aimerais vous annoncer quelque chose, après vous nous faites une ambiance tunisienne. Parce qu'on va se retrouver dans un instant, ça va continuer. On va être en direct sur C8 jusqu'à toute la nuit, jusqu'à demain, 2h du matin, je serai en direct avec vous. Il y aura une autre émission qui va suivre les défis de toute l'équipe de Touche pas à mon poste. Les chéris, sachez que comme Mathieu Delormeau a retrouvé le chameau, vous êtes 400, eh bien, vous partez. 400, vous tous, en séjour en Tunisie. Et ce soir encore.